Salut à tous les gens, c'est Jujuvin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire mon petit setup setup spécial rentrée, on va dire ça comme ça. Voilà, donc un petit setup pour vous faire découvrir tout ce que j'ai dans ma chambre. Donc on va commencer, comme là on voit, par une télé, c'est une petite télé écran d'ordinateur, on va dire. C'est à la base c'était un écran d'ordinateur, donc LG. Voilà, donc très bonne qualité en HDMI. Voilà, Gareth Bale qui m'invite, salut à toi. Et donc voilà, très bonne télé. Donc là, actuellement, on voit à l'écran que c'est ma Xbox One. Donc vous pouvez m'ajouter au passage Dist Money. Voilà, vous m'ajoutez avec les majuscules et tout ça. Voilà. Donc ensuite, vous allez avoir une manette. Là, on va commencer par la manette de Xbox One. Hein, très belle manette. Avec le micro ici qui est... Le boîtier micro qui est accroché à la manette. Et donc le casque qui est ici. Donc c'est le XO1. Donc le XO1, un très bon de chez Turtle Beach. Donc un très très bon casque, très bonne qualité. Des oreillettes en mousse, donc très très bonne qualité, voilà. Ensuite, donc on va passer à une autre télé. Donc ça c'est vraiment une petite télé. On voit la différence entre les deux, hein. Très petite télé. Donc ça c'est pour la Xbox One. Voilà. Donc vous allez pour la PS4. Donc voilà, vous allez pouvoir m'ajouter Jujuvin. Donc c'est aussi simple comme ma chaîne, voilà. Et donc sur Xbox One, voilà, vous pouvez m'ajouter. Donc vous allez avoir la manette officielle, hein, PS4 manette blanche. Vous allez avoir la manette noire PS4 officielle, tout ça, voilà. Ensuite, voilà, on va voir la console qui est ici. Très belle PS4 blanche, très bien entretenue, tout ça, donc en HDMI, tout ça directement. Alors, vous vous demandez peut-être où est ma PS4, hein, on voit pas en haut, on voit pas en bas, on voit pas à gauche, à droite. Eh ben, elle est derrière la Xbox One et la PS3. Donc, j'ai la Xbox One qui est ici, je vais ouvrir comme ça pour faire de l'éclairage. Et donc, voilà, on voit la Xbox One qui est ici. Donc très belle Xbox One, voilà. On voit ensuite la PS4 qui est branchée, donc PS3, donc PS3 j'y retourne quelques fois pour rejouer avec des amis qui pour moi étaient les meilleurs sur Xbox, sur PS3, voilà. C'est chaud de dire tout le temps une console parce quand on en a trop, non, sans me vanter, non, mais c'est vrai, c'est chaud de redire une console. Ensuite, voilà, donc on voit ici la manette de PS3, donc vous la connaissez tous, hein, voilà, un petit plan large des manettes. Ensuite, le casque, alors c'est quoi le nom du casque? C'est le AX180 de chez Triton, donc voilà, j'ai les deux concurrents à côté, Triton, Turtle Beach, Triton, voilà. Et donc, voilà, un casque qui est cassé, voilà, un micro qui est pareil aussi cassé, je sais pas si on peut le voir, mais un micro cassé, voilà. Ensuite, vous allez avoir mon casque, donc pour quand je fais des games solo, pour me concentrer, tout chose comme ça. Donc voilà, c'est vraiment un petit casque pour écouter de la musique pendant que je joue. Ensuite, on va passer à l'ordinateur. Donc c'est un ordinateur de marque Packard Bell, donc un vieil ordinateur. Voilà. Donc sur cet ordinateur, je ne fais rien de spécial. Je travaille pas de mes montages sur cet ordinateur là parce qu'il n'est pas assez puissant. Donc je vais vous montrer ça dans quelques instants. Voilà, donc ma chaîne, au passage, si vous découvrez ma chaîne par cette vidéo, abonnez-vous. Voilà, on est à 58 abonnés. Merci à vous d'être déjà 58 abonnés en seulement 3 semaines, il me semble. Voilà. Donc une petite pub à un ami quand même dans ce petit setup à Domails. Domain XHD, c'est un peu chaud à dire. Donc voilà, abonnez-vous, il a déjà 57 abonnés. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de cet ordinateur. Donc je suis sous Windows 10, hein. Voilà, on peut voir Windows 10. Et puis donc voilà, je pense avoir fait le tour de... Non, j'ai oublié ça par exemple. Hop. Alors, regardez, j'ai aussi une chaise gaming, gamer, voilà, très bonne qualité, des accoudoirs qui sont en mousse, très confortable, la tête qui se repose très bien ici, voilà, très bon siège, tout ça, donc voilà, très bon. Et donc, pour ce qui est d'ici, je pense avoir fait le tour.
Voilà, ici la petite chaîne pour écouter la radio. Voilà. Je pense avoir fait le tour, donc on va passer à en bas maintenant. Bon, là voilà, on se retrouve sur mon ordinateur pour vous montrer les logiciels que j'utilise pour faire mes montages. Voilà. Donc pour filmer déjà, tout d'abord pour filmer mes gameplays, je dispose de la Xbox One et de la PS4. Donc sur les consoles, vous avez un HD PVR, un Elgato, un Avermedia d'intégré qui peut filmer 5 minutes ou 15 minutes sur PS4. Voilà. Donc sinon voilà, une fois les téléchargements faits, je les télécharge sur OneDrive et je les récupère sur mon ordinateur et puis ensuite je les transfère sur Camstasia Studio. Donc voilà, Camstasia Studio, je pense que vous le connaissez tous, un truc très simple à manipuler. Voilà, on peut voir que ça c'est une vidéo qui va être bientôt upload sur ma chaîne, Dernier Rempart. Voilà, donc c'est une vidéo qui est en train de se préparer bientôt, en cours de montage, voilà. Donc voilà, je vais vous montrer aussi mes dossiers, voilà, donc vidéo, Camstasia. Donc voilà, je suis vraiment bien organisé, vous avez mes photos, donc toutes les photos que j'ai pu utiliser dans les différents montages, donc c'est principalement des photos que j'avais sur mon ancienne chaîne, pour ceux qui ont pu les découvrir, voilà, j'ai des photos de très très vieilles vidéos que j'avais sur ma chaîne d'avant, voilà. Ensuite dans vidéo Camstasia, vous allez avoir toutes mes vidéos qui sont triées par jeu. Donc voilà, Advanced Warfare, Assassin's Creed, Ghost, Black Ops 3, intro, pub pour les abonnés, tout ça, Minecraft et tout ça. Voilà, et puis bon, bah quelques uploads vidéo, je peux pas vraiment les classer. Titanfall, voilà. Et voilà. Bon bah les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, ce petit setup spécial rentrée. Moi je vous dis bonne rentrée à tous et puis à la prochaine les gens. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, tout ça. Et puis ciao les gens.